Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Nous sommes avec Mamad Zong, président de l'Amicale panafricaine, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dion Ziaoris Bonhoulou, politologue. Tahirou Dambélé, chef d'entreprise et secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy Pontoise. Et on passe tout de suite à notre grand angle. La libre circulation des personnes, certainement l'un des grands défis du continent africain, mais pour l'heure, l'obligation de visa demeure une réalité dans la plupart des pays. Pourtant, l'exemption de visa pourrait impulser une nouvelle donne économique en boostant par exemple le tourisme d'affaires ou encore les flux de travailleurs qualifiés. En janvier, au sommet de l'Union africaine, un protocole visant cette libre circulation a été adopté, mais sur 55 pays, seul le Rwanda l'a ratifié. Les précisions d'Ange Bijounomenyo. Les pays africains étaient censés supprimer l'obligation de visa pour tous les citoyens africains d'ici 2018. Mais selon un récent rapport de l'Union africaine, les Africains peuvent voyager sans visa dans seulement 22% des autres pays du continent. Ce sujet sensible persiste toujours, malgré les recommandations faites sur la libre circulation des biens et des personnes. Le problème, c'est que d'abord, à l'intérieur d'un pays, il y a beaucoup de tracasseries au niveau des polices qui empêchent vraiment la libre circulation. L'autre aspect de votre question, c'est maintenant le trafic international, notamment aérien. Les questions des visas sont pour bon nombre de pays africains un moyen aussi d'avoir des revenus parce qu'on paye pour les visas et souvent cher. L'autre obstacle des voyages en Afrique est qu'il y a très peu de vols commerciaux d'une région à l'autre. Lorsque ces vols existent, leur coût est prohibitif. Question des moyens. Pour avoir une compagnie aérienne, ça demande des moyens conséquents. Et étant donné l'état de nos économies, il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs qui investissent dans cela. Un autre facteur, c'est à mon avis une question de gestion. Le passeport africain lancé en 2016 par l'Union africaine est censé remplacer à terme les passeports des différents pays. Mais à l'heure actuelle, ce document n'est disponible que pour certains chefs d'État et hauts fonctionnaires de l'Union africaine. Alors on connaît aujourd'hui quand même l'état des routes, les infrastructures qui ne sont pas du tout adaptées. On connaît aussi les taxes pour les passagers aux frontières entre pays africains ou encore les abus qui sont nombreux. On a également la problématique liée au terrorisme. Et là-dessus, voilà, il y a peu de solutions qui ont été trouvées. Tahirou Dambélé, est-ce que les préalables à cette libre circulation sont loin d'être opposés, très clairement? Tout à fait. On va dire déjà, les problèmes de terrorisme empêche quand même, je dis, on va dire, toute la zone sahélo-sahélienne, hein, ça empêche de voyager sans visa, on va dire, pour une raison de sécurité. Mais en même temps, c'est dommage que c'est Luanda qui ratifie les textes, qui, Luanda quand même, il vient de loin, il vient de très très loin. Bon, ça prouve qu'il y a un président quand même qui veut que son pays avance, parce que sans visa, je pense que vous, nous tous, on peut se déplacer. Et c'est vraiment dommage, pour l'Afrique qu'on soit lent à ce niveau-là, que les chefs d'État, ils commencent à faire les trucs, au lieu de commencer par le peuple, chaque fois, ils commencent par eux-mêmes d'abord. C'est ça qui est dommage. Mamad Zong, il y a manifestement peu ou pas de volonté politique réelle. Je veux citer deux exemples. Par exemple, le prix des passeports dans certains pays d'Afrique est extrêmement élevé. C'est une façon objective d'empêcher les gens de voyager. Les terroristes ne se déplacent pas en avion. Hein. Ils ont choisi l'illégalité. Et il y a des grands pays comme l'Afrique du Sud, comme les pays d'Afrique du Nord, qui ne veulent pas d'étrangers chez eux. C'est une réalité qui est objective parce que ça peut créer des tensions sociales internes. Ils ont des taux de chômage assez élevés. Le protocole n'a été ratifié que par le Rwanda. Il a été signé par 44 États. C'est-à-dire qu'il n'est même pas passé à l'Assemblée nationale dans ces pays-là. Donc ce n'est pas une priorité pour l'instant pour les responsables africains. Et ils sont les seuls à pouvoir bénéficier de ce passeport-là. C'est quand même une farce. – Alors, Dion Zia, Oris Armel, bon… – Oui, tout à fait. Moi, j'ai été ému, je pense, il y a un an, ou deux ans de cela, de voir le président du Tchad, le président Idriss Déby,
brandir un passeport africain et annoncer au monde entier que l'Afrique aura à partir de maintenant un seul passeport, un passeport unique. Et ça, ça suscitait de l'espoir. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui de voir que un an après, rien ne se passe. C'est ce que j'avais dit autrefois ici au niveau du continent africain. Il y a tellement de choses qui sont faciles à dire dans la bouche, mais qui sont tellement difficiles à appliquer. Et là, moi, je vois deux véritables problèmes. Le premier, c'est que c'est porte sur la formation de l'Union africaine elle-même. Parce que moi, ce que je sais, c'est que pour arriver à une intégration, d'abord économique, il faut suivre des étapes, comme l'Union européenne l'a fait, comme du côté même de l'OEA. Il y a eu des étapes. On commence par créer une zone de libre-échange. En plus, l'union douanière, un marché commun, une zone économique et monétaire avant d'arriver à l'union politique. Mais l'Union africaine n'a pas respecté dans toutes ces étapes-là. On a créé directement une organisation sans penser même à réguler, à organiser l'intégration économique. Et le deuxième point aussi, c'est l'absence de volonté. Et on a comme l'impression que les chefs d'État africains, en ce qui concerne les décisions continentaux, ne sont pas libres d'eux-mêmes. Parce qu'on on voit d'habitude de bonnes idées, de belles initiatives, mais qui n'aboutissent jamais. Voilà, qui n'aboutissent jamais. On a vu, en plus de ce protocole-là, la zone de libre-échange qui avait été mise sur pied par la ZELCA, qui avait été mise sur pied par le président Kagame, mais qui aujourd'hui a du mal à être mise sur pied, alors que cette ZELCA-là était la pierre angulaire de l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Ben, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, bon, les choses n'aboutissent pas. Les choses n'aboutissent pas. Et je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer, c'est que peut-être on a comme l'impression qu'au niveau des chefs d'État, il y a deux catégories de chefs d'État africains. Il y en a qui sont souverainistes, qui souhaitent même vraiment faire avancer le continent africain, donner l'indépendance au continent africain. Et cette tendance est incarnée aujourd'hui par le président Paul Kagame. – Donc deux lignes au sein de l'Union africaine. – Et par la suite, il y a aussi d'autres aussi. Bon, on a quand l'impression que, bon, ils sont très, très évasifs donc, quant à la prise de décision. Voilà, – Il faut d'abord, il faudra d'abord que certains de nos chefs d'État deviennent sérieux et certains États respectent leurs engagements. Déjà, pour financer le budget de l'Union africaine, on fait appel à des donateurs étrangers. Est-ce que ça, c'est sérieux? Donc, ça, c'est 80% du financement extérieur de l'étranger. Oui. Est-ce que c'est sérieux, ça? Ça, c'est la première question. Il faut avoir une visée, une vision globale panafricaine de cette solution-là. Ce serait ça. Déjà, il faut la Guinée équatoriale chasse régulièrement des Camerounais, l'Algérie chasse régulièrement les Maliens, les gens originaires du Sahel. Certains sont même vendus en esclavage en Libye. L'Afrique du Sud a régulièrement des relents de xénophobie où on vient tabasser les autres Africains, pas seulement les Zimbabwéens, les Congolais, les enfin, tout ça, c'est pas sérieux. Et le gouvernement sud-africain a même édité plus de 12 critères pour admettre des étrangers chez lui, dont un des critères, c'est la paix en Afrique. Je dis, mais c'est une chimère, ça. C'est hallucinant. – Tahirou Dembélé. – Oui, après tout ce constat, j'ai dit, bon, comme il disait, j'ai rebondi sur ce qu'il disait aussi, il y a des tendances en Afrique, ceux qui veulent le vrai africanisme, les vrais africains, on va dire, qui veulent le panafricanisme, en vrai, ça c'est Idriss Déby et Paul Kagame, mais à chaque fois s'il y a un président africain qui veut ça, on lui met des bâtons dans les roues. – Idriss Déby parle beaucoup plus qu'il n'agit. – Non, mais bon, on peut dire, chacun a son ressentiment là-dessus. C'est des promesses. Lui, au moins, on sait qu'avec lui, il voulait déjà une armée africaine bien solide. D'abord, on fait les G5, on ne met pas le Tchad, on ne met pas l'Algérie. Si, le Tchad est dans le G5. Voilà, mais on ne met pas l'Algérie, ce n'est pas bon. Mm. Bon, lui, s'il revient, il dit oui, bon, il faut que l'Afrique soit indépendante, ainsi, etc. Avec Kagame aussi qui dit la même chose, dans 2 ou 3 ans, ils vont avoir des problèmes. Donc, du coup, tous les chefs d'État africains, on perd après. C'est ça le problème. Et puis, comme il disait aussi tout à l'heure, si on se fait financer par son voisin, ton voisin qui te donne à manger, c'est qu'il veut, il fait chez toi, c'est tout. Mmh. – Alors, Dian Ziaoris, Armel Bonlou, on en vient toujours à cette question du financement de l'Union africaine, finalement. – Oui, effectivement, l'Union africaine, depuis sa création, ne fonctionne qu'à partir des donateurs étrangers. Et ça a toujours été le cas, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit même des organismes privés. Alors que au sein de l'Union africaine, nous avons même des mécanismes qui peuvent nous permettre de fonctionner non sous fonds propres.
Par exemple, lorsqu'on parlait de la taxe sur nos exportations, voilà, la taxe sur nos exportations qui allait non, faire rentrer l'argent. La taxe Kabeuka. Voilà. Et nous permettre non, de fonctionner non, en toute autonomie. Une mesure qui est encore très facile à faire, mais qui n'a pas du tout abouti. Voilà, voilà. Que ce soit dans le fonctionnement, que ce soit même pour payer les fonctionnaires internationaux de l'Union africaine, que ce soit même pour financer même les initiatives de l'Union africaine, tout vient non de l'extérieur. Donc à partir de là, on peut dire non, que l'Union africaine, c'est là le premier obstacle même à l'indépendance de l'Union africaine. Et le dernier point, c'est que la solidarité même entre les sociétés, parce qu'il y a les États, il y a les gouvernements, mais la mentalité des sociétés, voilà, doit être aussi remise en cause. Il faut qu'on sache qu'un Africain doit se sentir chez lui sur les 30 millions de kilomètres carrés. – Alors pour revenir effectivement à la libre circulation, l'Afrique est quand même l'un des continents les plus sévères en matière d'obtention d'un visa d'un pays africain à un autre, un Américain a même plus de chances, en tout cas plus de facilité à se déplacer d'un pays africain à un autre pays africain qu'un Africain à l'intérieur même de son propre continent. Comment expliquer ces situations extrêmement paradoxales ?– L'Afrique n'aime pas ses enfants, bon, je suis obligé de répondre… L'Afrique n'aime pas ses enfants. On a des dirigeants qui ne nous aiment pas, qui pensent qu'à eux. C'est ça qui amène ça au fait. Si moi, aujourd'hui, je vais aller au Maroc, je suis obligé de demander un visa pour aller au Maroc en tant que Malien. Je vais aller en Algérie. Bon, il n'y a pas de visa, mais eux aussi, ils vont l'instaurer. Bon, comme ils disaient, les Algériens qui chassent les Maliens de chez eux, tandis que les Maliens ont combattu en 62 aux côtés des Algériens. C'est ce que l'histoire, en quelque part, on nous a mal expliqué l'histoire de l'Afrique. On ne nous a pas appris à aimer l'Afrique. C'est ça qui est dramatique. Il y a aussi des obstacles structurels. Les renseignements et les statistiques chez nous ne sont pas très fiables. Les données que détiennent les gouvernements ne le sont pas non plus, sans parler des abus en tout genre. On peut acheter tranquillement un passeport, on peut acheter une carte d'identité, on peut falsifier des documents. Tout ça fait que pour avancer, il va falloir être un peu plus rigoureux, un peu plus sérieux, et puis manifester au niveau aussi bien des États que des organisations sous-régionales. Ça existe, ça, dans toute l'Afrique. Il y a un premier pas à franchir dans cette direction-là. Aujourd'hui, vous êtes Camerounais, vous voulez vous rendre en Guinée équatoriale, c'est très compliqué. Vous êtes Gabonais, vous êtes Malien, vous voulez juste avoir un titre de séjour au Gabon, vous risquez de payer 1 million de francs CFA. – Tout à fait, tout à fait. Dianzia Oris à Armel Bonhoulou. – Oui, effectivement, c'est ce que j'affirmais, je suis très d'accord avec vous par rapport à ces mesures qui sont prises, non pas par des États africains contre d'autres États africains. – Donc c'est quoi, c'est de la méfiance entre États? – Il y a une certaine méfiance d'abord entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, entre les deux sociétés africaines du Maghreb et l'Afrique noire, qui installent en eux un climat de méfiance. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller, par exemple, j'ai une anecdote, à l'aéroport de Tunis-Carthage, où les Africains payent… – Donc les subsahariens. – Les subsahariens payent 80 dinars, c'est-à-dire 40 euros par semaine, juste pour vivre sur le territoire tunisien. Et lorsqu'il fait plus de 10 ans, plus de 5 ans, on fait sortir la calculatrice et on lui calcule des sommes qu'il ne peut pas payer. Oui. Vous voyez, donc il y a des méthodes… – Ce sont les abus dont on parlait. Voilà, – oui, les abus le dont racket, on parlait. Voilà, donc en plus de l'Afrique blanche et l'Afrique noire, on a comme l'impression que cette même méfiance existe encore non, parmi les États d'Afrique subsaharienne. Et là, franchement, je pense que… alors que les budgets de ces États-là ne dépendent pas de ces restrictions. – Il faut appeler un chat. – Voilà, donc, ce sont des choses facilement à supprimer. Oui. – Pour moi, il faut appeler un chat, parfois à l'intérieur d'un même pays. On a parlé il y a quelques années du principe d'ivoirité à l'intérieur d'un pays pour exclure… une communauté.
On a vu des gens qui ont été expulsés massivement d'un pays à un autre. Il y a des relents de xénophobie qui sont réels et qu'il faut combattre. Mais bien sûr que ce sont les politiques qui font ça. C'est toujours les politiques. Oui, bon, par rapport à l'économie africaine, ce qu'il disait aussi, par exemple, un professeur de Côte d'Ivoire qui donne des cours à Bamako ou à Niamey, je pense que ça sera vraiment un truc qui sera génial. Mais pour le moment, ce n'est pas faisable parce que pour Bamako à Kinshasa, il n'y a pas d'avion. Pour aller à Kinshasa, il faut que je passe par Côte d'Ivoire, je me trouve en Éthiopie. Parfois, c'est par Paris. Parfois, voilà, c'est par Paris. Je suis obligé de passer par Paris. Bon, donc, si on continue dans ce sens-là, on va rester 100 ans comme ça, sur place. Merci beaucoup. Oui, peut-être un dernier mot, Dianzia. Non, franchement, si je les rejoins, ça fait beaucoup honte. Oui, ça fait tellement honte. Ça fait honte. De voir, par exemple, l'Italie qui accueille en masse des immigrés venus d'Afrique subsaharienne. C'est vrai. Et voir l'Angola, des policiers angolais passer à tabac. Des Congolais. Les Maliens, tout ça. Voilà, donc ce sont des... C'est pour ça que j'ai dit, la CEDEAO est devenue un club de golfeurs. Quoi. Donc d'abord, le premier aspect, c'est la mentalité, je pense, la mentalité d'abord qui doit changer entre les Africains. Puisque les mesures, les restrictions qui sont prises aux frontières, je pense que ça ne change rien. Puisque d'abord, un terroriste, comme on l'a dit, un terroriste ne prend pas d'avion. Les terroristes qui ont commis les attentats, par exemple, en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, n'ont pas pris d'avion. Ils sont passés par par la route, par exemple. Donc, vous voyez, je pense que c'est d'abord la mentalité qui doit changer. Un dernier mot là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on ait des dirigeants qui nous apprennent à aimer l'Afrique, à aimer l'Africain, à aimer l'homme noir. Parce que c'est ça qui dérange les dirigeants. Parce qu'ils ne nous aiment pas, on ne les aime pas. Ils ont aussi peur. Exactement, il faut vraiment qu'on assume ces paroles. Puisqu'ils ne sont pas démocratiquement représentatifs, ils ne veulent pas que les gens viennent. D'autres pays sont plus durs que d'autres aussi. Une courte pause et vous allez pouvoir vous exprimer sur un tout autre sujet, un sujet majeur d'ailleurs, l'agriculture face au défi de l'industrialisation. Ça sera dans la troisième partie de cette émission. À tout de suite.